Quel débile ce mec en scout. Il va continuer combien de temps là? Bon, on est sur de la livraison de fleurs de qualité là. J'espère juste que je vais pas perdre toutes mes pétales. Je serai un petit peu deg. Alors là, c'est le test ultime là. On va pas rouler trop vite. Et pour l'instant, elle se porte bien, ça va. Yo. Oula. La perte d'équilibre. Les zébordis. Sympathique ça comme voiture. La couleur, faut oser. Je sais pas ce que c'est comme odeur dedans. Mais c'est sympa. Petit A3, enfin sûrement S3. Ça m'étonnerait que ça soit une RS3, sinon il aurait gardé le badge quand même. Et c'est plutôt bien fait. Putain, mais le camion qui fait ça quoi, sérieux. Quel n'importe quoi. Tu vas te retrouver embêté toi. Oh, t'as eu de la chance. Wow, mais il se passe quoi? La panique. Toi, tu veux aller sur la file de droite, c'est sûr. Vu ce que tu viens de me faire, t'as envie de te rabattre à droite. Bon, petit passage à la pompe obligatoire là. Je suis à 265 km avec mon plein et j'ai fait 28 km avec mon réserve. Et je suis curieux de savoir, vous faites combien avec votre moto ou votre scooter ou peu importe. Dites-moi la capacité de votre réservoir et combien vous faites de kilomètres avec. Je suis curieux de savoir si je suis dans la moyenne ou pas trop. Ils ont fait une belle moto en 125, il y a mal, la MT125, elle est vraiment sympa. Niveau look déjà, j'ai jamais essayé mais... Niveau look pour une 125, c'est pas dégueu du tout. Ah. Ça c'est pas très sympa ça. Alors oui, j'ai pas forcément passé à gauche mais... Mais je suis un peu triste quand même. Est-ce que vous avez déjà conduit avec un torticolis? Bah moi oui, là maintenant, tout de suite. Je ne peux plus tourner la tête. C'est l'enfer. Dès que je freine, j'ai mal. Dès que j'accélère, j'ai mal. Et je tourne le buste pour regarder. Ou je tourne les yeux. Oh la tristesse. Alors lui, il se cache pas du tout pour téléphoner. Il est sans pression. Oh, c'est fou quand même, les gens, ils ont... Des fois, ils en ont rien à foutre. Mais ça fait des vues, c'est cool. Oh, ça, c'est gentil, ça. Il y en a, c'est 1000, là. Merci bien. Oh. Et 2-3. Merci. Un téléphone. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Hein. Ah ouais. Ta-ta-ta-ta-ta. C'était tout juste. Et elle a 12 ans, j'ai l'impression, celle qui conduit.
Mais non, pas toi quand même. Putain, t'as un camion et tu fais ça aussi. Quel enfer. Oh. Commence à faire frais le matin là, 13 degrés, ça commence à piquer un petit peu les doigts avec les grands hivers, enfin avec les grands étés du coup. Autant je m'en fous un peu des saisons, mais juste quand il pleut et qu'il fait froid, c'est un peu l'enfer quand même en moto. Hein. Et bon, un bon équipement, faut juste pas être soucieux de la propreté de sa moto quoi. Une petite Versys. Les gens disent beaucoup plus. Ouais, je dirai ça demain. Ah, sympa ça, moto Guzzi. Ça va être pas pratique par contre pour aller rouler avec ça pour aller au taf. Hop. Mais pour le dimanche, ça doit être marrant en vrai. Puis du coup, tu peux être à 3. Vas-y, tu le repasses ou tu repasses pas? Bon, tant pis. Merci, c'est gentil. Bon, par contre, Jean-Eude là. Oh, Jean-Eude, nouveau prénom. T'es bien gentil de te rabattre à gauche, mais si c'est pour pas me laisser passer. Ouais, merci. Décale-toi. Oh, le copain, je sais pas. Petite dédicace dans la vidéo. Il y a un gars en. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Merci. Il y a un gars en Africa Twin derrière moi. Bon, là, je peux pas trop retourner la tête, tu comprendras, mais. Soit il me double, soit tu me crois sortant. Là, regarde. Il avait l'air un peu pressé en plus. Je te jure, si t'as un téléphone, je te marre. Même pas. Mais tu parlais, donc Allez, insère-toi. Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Je sais pas si on le voit, mais il y a eu un contrôle d'angle mort et il y a eu un petit merci juste là. Ça, c'est beau. Soyez tous comme ça. Oh, le bordel! Le retour, ça y est, c'est la rentrée. Il y a du monde de partout. Ah, je suis content de pas être en voiture, punaise. En plus, il fait beau, c'est super agréable. Salut, ça va? Et merci. Oh putain, s'il y a une guêpe qui rentre dans mon casque là, je suis pas bien. Oh. Est-ce qu'il y en a dans les abonnés qui roulent avec une moto de ce type? On est d'accord, c'est l'enfer pour faire des demi-tours et pour manœuvrer. En plus, ça doit faire mal au bras d'avoir toujours les bras en l'air. Dites-moi un peu comment ça se passe. Ah, il y a compétition là entre une Ford Fiesta et une Clio. Et c'est la Clio qui a gagné. Elle a posé ses couilles sur la table. Et du coup, les ovaires sur la table, je rectifie. Petite Yamaha FGR si je me trompe pas. Oh, dans motoservice, tiens. Je sais pas si vous les connaissez, mais c'était bon. Meilleure concession auto du monde, ça c'est certain ça. Alors là, t'as besoin de faire un petit appoint d'essence comme moi. What the fuck. Ça y est, c'est le bordel. Retour en septembre, retour au bouchon. Heureusement, il fait bon. Yep là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Hop. Youp là. Ça c'est fort aimable, ça c'est super gentil, merci beaucoup. Heureusement il y a des gens courtois dans ce monde. Et aimable. Vas-y, on va laisser passer le camion. T'inquiète frérot.
vous pouvez dire ce que vous voulez. Ok, la moto c'est dangereux. Ok, la moto c'est chiant quand il fait froid, quand il pleut. Mais le temps qu'on économise, c'est un truc de maboule. Je sais pas combien d'heures j'ai gagné en roulant en moto. Et après, qu'il fasse froid, que ça, c'est des détails, ça, ça passe, ça se fait, comme on dit. Mais le temps, tu peux pas le rembourser. Oh, c'est beau, c'est philosophique. Bah ouais, le temps que tu perds, tu pourras jamais le récupérer, mon gars. Après, tu me dis, si t'es mort, ton temps, il sert plus à rien. Certes. Mais il faut faire attention. Merci bien. Il y a un truc que je viens de me rendre compte, en fait, c'est quand je décimère avec mon pied droit, bah j'ai plus mon pied sur le frein. C'est pas dingue, hein. C'est pas folichon. Et par contre, si je dis merci avec ma main droite, bah... je peux plus accélérer, donc c'est pas folichon non plus. Et j'ai pas de solution bien pour dire merci de la main droite ou du pied droit pour les gens à droite. Si vous avez des meilleures solutions, pareil, moi j'écoute, hein. L'espace commentaire est à votre disposition. Merci. Et les scooters, quand vous laissez passer, c'est un régal. De rien, hein. Putain, les gens qui disent pas merci. Même si t'as la priorité, dis merci, ça te coûte zéro, putain.